Salut les filles, alors on se retrouve pour le swap des podcasteuses. Désolée, on est le soir, je me suis pas fait belle et tout, mais je suis trop impatiente parce que j'ai reçu le colis ce matin. Alors pour info, on est le 1er juin. Moi j'habite à Saint-Père-à-Ville-la-Colombe, je suis à 11 km de l'agglomération d'Orléans. Et donc, comme vous le savez peut-être, on a été touché par les inondations à Orléans, ce qui pour moi a occasionné des gros problèmes de circulation pour aller à mon travail, enfin, etc. Et aujourd'hui, les enfants n'avaient pas d'école, donc je suis restée avec eux à la maison, ce qui m'a évité pas mal de, pareil, de problèmes de circulation, etc. Mais ce qui veut dire aussi que j'étais là quand la factrice est arrivée et m'a apporté le colis, j'ai là. Et que ça fait depuis ce matin que je le regarde et que je peux pas regarder ce qu'il y a dedans parce que j'ai joué le jeu. Je l'ai juste ouvert et j'ai juste vu les deux petites cartes de ma swappée. Enfin bref. Et donc je les ai lues. Et alors curieusement, elle habite à Châteaudun. C'est-à-dire qu'on habite à moins de 30 minutes l'une de l'autre. Donc elle m'a mis les petites cartes de la ville. Et voilà. Donc c'est Jenny du podcast Je ne sais plus. Donc voilà, hein. Je mets le lien là. Que je suis trop contente que ça soit elle parce qu'en fait c'est une des podcasteuses que je suis depuis le début. Depuis que j'ai découvert les podcasts, il y a 4-5 podcasteuses que je suis assidûment et elle en fait partie. Donc ça me fait super plaisir. Et puis en plus de savoir qu'elle habite pas très loin et que concrètement on va pouvoir se voir, j'espère que ça te dit, mais il faut qu'on s'organise un truc. Je trouve ça génial. Donc maintenant que j'ai lu et que j'ai bavé toute la journée sur le colis, on va ouvrir le colis. Donc, j'enlève la première couche. Et là, j'ai un gros sac avec tous mes petits colis. C'est cool. Alors, j'ouvre. Il y a un nœud bien serré, histoire que ça... Ça se sauve pas. Alors, je vois tout de suite les gourmandises, donc je fonce dessus. C'est des cookies chocolat coco de carré rond. Comme ça. Ça doit être super bon. Je connais pas du tout. Agriculture biologique sans gluten. Bah écoute, moi qui est fan de chocolat et qui aime bien la coco, en ce moment j'en mange des morceaux dans mon Leclerc à côté du boulot, ils en vendent des la noix de coco déjà coupée en fait. Et donc j'en mange à 4 heures au boulot des morceaux. Bah écoute, merci. Voilà. Après... La naine à chaussettes, trop cool. Et puis c'est dans mes couleurs et tout. Et deux pelotes, donc je vais devoir faire plus que de la chaussette. Ah, c'est de la fabelle. La fabelle, c'est bien de la laine à chaussettes. Je finis que je sais plus. Ouais, c'est ça. Ah, la couleur, elle est top et elle est douce. Ah, elle est chouette. Ah, c'est cool. Ah, je suis contente. Ah, c'est cool. Merci. Et les couleurs, c'est top. Bravo. Alors, je pose le paquet. Il reste un paquet vert, un paquet orange. Qu'est-ce qu'on prend ? Allez, vert. Avec des beaux petits... Je sais pas si vous avez vu. Il y a même des petits making tape. J'aime bien.
C'est très chouette. J'essaie de pas trop tout pourrir. Excellent. Ah, génial. Elle m'a fait, regardez. Ben, je pense que c'est toi qui l'as fait. Il n'y a pas de raison. Je relis la carte. Apparemment, dans le carnet dans lequel tu pourras préparer, apparemment, elle a trouvé ça à Châteaudun. Ah ben, c'est super chouette. Donc, le carnet, il est comme ça, avec des petits moutons. Donc, un carnet pour faire ses ouvrages de laine, ça c'est sûr. Et un tissu japonais à l'intérieur, enfin, ou japonisant. Et donc, le petit carnet et tout. La classe. C'est cool. Mais là, il y a encore un colis au fond. Il y a l'orange, mais après, il y a encore un truc. Ça vient d'une pâtisserie à Châteaudun. Des chocolats. Oh, cool. Ça, c'est cool. Donc, c'est le pâtissier Godin à Châteaudun. Je pense que tu dois aimer cette pâtisserie. Donc, je vous la conseille. Et moi, je le goûterai avec un bon café demain midi. Les chocolats, ça va être top. Merci. Et j'en reviens pas. Regardez, je n'avais même pas vu. La fabelle, le marron des moutons et de la fabelle vont ensemble. Je vais pouvoir, à la limite, je lui tricote un sac pour mettre le carnet. Si ça va ensemble, je sais pas. Mais non, trop cool. Trop, trop cool. Attention. Mais non, le carnet, c'est toi qui l'as fait. Ah, je comprends plus. Je comprends plus. Oh, mets-moi en commentaire, dis-moi si tu l'as fait et tout. Mais par contre, ils sont trop chouettes. Je vais les mettre tout de suite sur un ouvrage. C'est des petits marqueurs. Et qu'est-ce que tu me dis dans ta carte? Je ne sais plus où je l'ai mise. Elle me dit... J'ai profité pour choisir quelque chose aussi pour toi. Des marqueurs de mailles viennent d'une artiste américaine dont j'ai découvert le travail durant mon séjour à Chicago. Les friandises viennent de petits commerces de ma vie. J'aime les soutenir. Ainsi que les pelotes et le carnet dans lequel tu pourras préparer tes notes. Ouais, mais le carnet, tu l'as acheté à Châteaudun, mais le protège carnet, c'est toi qui l'as fait. Trop beau. Ah, chouette. Et tout est dans les tons de marron et tout. La classe. Ah, je suis très contente. Merci, merci, merci. Et en maintenant, maintenant le défi que je te lance, je ne sais pas dans les deux jours qui viennent, mais dans quelques jours ou quelques semaines, je te lance le défi qu'on boive un thé, enfin moi ce sera un café, mais voilà, qu'on boive un coup à Châteaudun toutes les deux, ça serait super cool. Et regardez ces merveilles, regardez ces merveilles. Non, bah, c'est trop cool. Merci, merci, merci. Regardez, je crâne. Attention, je crâne. Trop cool.
Merci beaucoup. Si vous avez envie de découvrir ce que j'ai envoyé à la fée Cendrillon, je vous mets le lien en bas d'infos. Si vous voulez aller voir Jenny pour voir ce qu'elle fait et excusez-moi. Et elle, ce qu'elle a reçu, bah pareil, je vous mets le lien. Et puis je vous retrouve prochainement pour un podcast créatif cette fois. Allez, à bientôt et encore merci, 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 merci.